Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui, je vous ai fait donc cette petite boule de Noël. Alors je l'ai montrée en short, ça avait pas mal plu, en espérant que du coup le tutoriel vous plaise aussi. Alors pour ce tutoriel, il vous faudra donc des pelotes aquarelles de chez Loupassion. Alors j'ai pris du bleu clair ici pour faire la transition et du bleu plus foncé ici. Alors, vous pouvez prendre les couleurs que vous voulez, ça c'est pas contraignant. Vous faites un peu de la couleur aussi de votre sapin. Ça reste votre décoration, vous faites ce que vous voulez sur les décorations. Pour le bonhomme de neige, il vous faudra donc de la pelote de couleur blanche. Alors, moi j'ai pris une pelote donc aquarelle coton éclat couleur blanc. Vous pouvez prendre une aquarelle blanche normale, mais moi je voulais rajouter un tout petit peu de fantaisie, pardon, avec une pelote qui brille. Là, on ne le voit pas en caméra, mais en vrai, ça rend beaucoup mieux. Alors, j'arrête pas de le dire, mais en caméra, vraiment, ça ressort pas. Donc, vous fiez pas aux apparences, vraiment, elle est très jolie. Alors, donc, je l'ai utilisée ici pour le blanc et pour le petit capuchon. J'ai utilisé donc de la couleur noire, orange et un rouge donc de couleur un peu plus foncée. Vous pouvez utiliser le rouge que vous voulez, ça c'est pas contraignant, mais moi je voulais un rouge un peu plus au burn. Voilà. Il vous faudra donc aussi de la ouate, pardon, donc pour l'intérieur de la boule, une aiguille, un crochet de taille 2,5. Et si vous avez besoin de petits pins pour pouvoir bloquer votre travail pour la couture, vous pouvez aussi évidemment. Et donc une paire de ciseaux. Voilà. Sur ce, on peut passer au tutoriel. Donc je vais commencer par faire un cercle magique avec ma pelote bleu clair. Et je vais venir faire donc 6 mailles serrées à l'intérieur de ce cercle magique. Une, deux, trois, quatre, cinq et de six. Une fois que j'ai mes 6 mailles, je vais venir faire donc 6 augmentations. Ce qui fait qu'à la fin de ce rang, donc je dois obtenir 12 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter. Une maille serrée, une augmentation. J'obtiendrai 18 mailles. Le rang suivant, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une augmentation. J'obtiendrai à ce moment-là 30 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation. J'aurai 36 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 5 mailles serrées, une augmentation. J'aurai 42 mailles. Le rang suivant, 6 mailles serrées, une augmentation, j'aurai 48 mailles. Le rang d'après, 7 mailles serrées, une augmentation, j'obtiendrai donc un total de 54 mailles. Et le rang suivant, je répéterai 8 mailles serrées, une augmentation, et j'obtiendrai à ce moment-là 60 mailles. J'ai terminé, je suis venue faire au total 3 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est commencer ici ma maille serrée. Je viens prendre mon fil de couleur bleu plus foncé. Et je vais venir tout simplement donc le passer dans ma boucle. Et je vais venir faire un double nœud. Une fois que j'aurai fait le nœud, je couperai donc le fil de couleur bleu clair. Donc une fois que j'ai tout coupé, voici ce que ça rend. Je viens donc pas directement dans la maille, juste en dessous, faire une maille serrée. Je tire un peu le fil et je fais ma maille serrée. Je vais dans la prochaine maille, cette fois-ci dedans la maille, et je fais une maille serrée. Je vais ensuite donc pas dans la maille, en dessous de la maille. Vous voyez, là on voit bien que je saute la maille. Regardez. Donc là, on voit que je suis allée en dessous. On voit qu'ici, j'ai fait ma maille. Et vous voyez, entre deux, on voit bien qu'il y a une seule maille d'écart. Donc ça, c'est ce qui vous permettra de vous repérer quand vous allez
piquer en dessous. De cette façon, vous voyez bien que là où vous voyez la maille, c'est là où j'ai fait dedans la maille. Vous voyez, donc un tour chacun, une fois dans la maille et une fois donc en dessous. Donc là, vous voyez, j'ai la maille, celle que je viens de faire. Je vais juste à côté et je pique dedans et je fais ma maille serrée. Comme ceci. Et donc, j'alterne les deux. Au total, à la fin, donc je garde mes 60 mailles. C'est ce qui vous permettra de savoir si vous avez fait une erreur ou pas. Donc, une fois que vous avez terminé, voilà ce que ça donne. Maintenant, ce que vous allez faire, donc c'est faire que des mailles serrées sur tout le tour, cette fois-ci vraiment dans les mailles. Et je vais venir faire 6 tours comme ça. J'ai terminé, donc voilà ce que ça donne. Maintenant, on va commencer à faire nos diminutions. Donc, pour ce faire, je vais venir faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et une diminution. Je vais venir le répéter sur tout le rang. Et à la fin, donc, j'obtiendrai mes 54 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 7 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, 6 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une diminution. J'aurai 36 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une diminution. J'aurai 30 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une diminution. J'aurai 18 mailles. Le rang suivant, donc je répéterai une maille serrée, une diminution, et j'obtiendrai 12 mailles. Ces 12 mailles, je n'aurai plus qu'à les faire en diminution, c'est-à-dire 6 diminutions. Il ne faut pas oublier non plus entre deux de venir ouater. Je viens ouater à peu près quand j'arrive à 2 mailles serrées, une diminution. Parce que de cette façon, j'arrive à bien remplir à l'intérieur et la ouate me gêne moins pour faire les diminutions. J'ai terminé, voilà ce que ça donne là. Je suis venue passer un coup d'aiguille pour refermer. Alors ensuite, ce que je vais venir faire, c'est prendre ma pelote de blanc pailleté. Alors, vous n'êtes pas obligé, vous, de prendre du coup cette pelote-là. Mais moi, je trouve que ça fait quand même beaucoup plus Noël. C'est très pailleté. Alors, en vidéo, vous ne le verrez pas forcément super bien. Là, quand je le tourne, vous voyez un petit peu qu'il y a quand même un effet pailleté. Mais je vous assure que en vrai, ça ressort beaucoup mieux. Alors, du coup, ça, c'est l'aquarelle coton éclat. Donc, vous n'êtes pas obligé, mais moi, je trouve que quand même, ça rend un peu plus sympa. Donc, je prends ma pelote. Et je vais venir faire donc un cercle magique. Et dans ce cercle magique, donc je vais venir faire mes 6 mailles serrées. Donc 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens le refermer et je vais venir faire donc 6 augmentations. Ce qui fait qu'à la fin, donc je dois obtenir 12 mailles. Une fois que j'ai mes 12 mailles, maintenant ce que je vais venir faire, c'est que là je vous montre, vous voyez, il y a 2 brins sur une maille. Je ne sais pas si vous arriverez à bien le voir, je les écarte pour que vous voyez. J'ai 2 brins. Donc je vais venir chercher... pas celui qui est en premier, donc à l'avant, je vais venir chercher celui qui est en deuxième, donc à l'arrière. Et je vais venir faire donc un rang que de mailles serrées. Une fois que j'aurai fait ce rang de mailles serrées, je viendrai faire encore un ou deux rangs de mailles serrées, mais cette fois-ci sur la maille complète. Donc au total, je suis venue faire qu'un seul rang de mailles serrées. Je vais venir faire une maille coulée, une maille en l'air, et je vais garder donc du fil pour la couture. Alors, au niveau de la couture, rien de difficile. Je vais tout simplement donc venir mettre
ce petit morceau. Là, vous voyez, j'ai le cercle magique. En règle générale, si le cercle est bien fait, il est bien au milieu de votre boule. Ce qui fait que pour le placement de ceci, vous n'avez pas à vous embêter plus que ça. Vous venez le mettre bien au milieu. De cette façon, vous êtes certain qu'il est bien centré. Au niveau de la couture, je vais juste tout simplement venir le prendre maille par maille et venir planter dans ma boule. Donc, je viens tout simplement ici chercher ma maille. Je fais attention à bien être au milieu. Et je viens donc le planter à l'intérieur. Vous voyez, je passe d'un côté et je ressors de l'autre. Donc, tout simplement. Donc, je viens chercher ma deuxième maille. Je plante et je ressors. Donc, je fais ça sur tout le long. Si vous voulez rajouter un peu de watt, vous pouvez. Mais personnellement, je serre quand même plutôt bien. Donc, je n'aurai pas besoin, moi, de watter. Si vraiment vous avez une façon de crocheter assez large, c'est possible que vous en ayez besoin. Mais voilà, si vous crochetez comme moi assez serré, normalement, il ne devrait pas y avoir besoin. Ensuite, une fois que j'ai tout cousu, je viens reprendre mon fil de couleur blanc qui est pailleté. Je fais un cercle magique. Et je vais venir faire donc 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Je viens le resserrer et je vais venir faire 6 augmentations. Ce qui fait qu'à la fin, donc, j'aurai 12 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter une maille serrée, une augmentation et j'obtiendrai 18 mailles. Une fois que j'ai donc mes 18 mailles, maintenant ce que je vais venir répéter, c'est 2 mailles serrées et une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin du rang, donc, j'obtiendrai 24 mailles. Une fois que j'ai mes 24 mailles, maintenant ce que je vais venir faire, c'est prendre mon brin arrière et faire un rang juste de mailles serrées, donc sur le brin arrière. Je vais faire ça sur tout le tour et à la fin, donc, j'aurai toujours mes 24 mailles. Une fois que j'aurai fait ça, je viendrai faire tout simplement une maille coulée, une maille en l'air et je garderai du fil pour la couture. Ensuite, une fois que j'ai tout cousu, je viens reprendre mon fil de couleur blanc qui est pailleté. Je fais un cercle magique. Et je vais venir faire donc 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et de 6. Je viens le resserrer et je vais venir faire 6 augmentations. Ce qui fait qu'à la fin, donc, j'aurai 12 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter une maille serrée, une augmentation et j'obtiendrai 18 mailles. Une fois que j'ai donc mes 18 mailles, maintenant ce que je vais venir répéter, c'est 2 mailles serrées et une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin du rang, donc j'obtiendrai 24 mailles. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est 3 mailles serrées, 1, 2, 3 et une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin, donc j'obtiendrai 30 mailles. Une fois que j'ai mes 30 mailles, maintenant ce que je vais venir faire, c'est prendre mon brin arrière et faire un rang que de mailles serrées sur le brin arrière. Une fois que j'aurai fini, je viendrai tout simplement faire une maille coulée, une maille en l'air et je garderai du fil pour la couture. Donc ici pour la couture du corps, vous voyez, là je suis venue coudre et j'ai laissé un tout petit espace. Je viens prendre vraiment un tout petit peu de watt et je vais venir le mettre à l'intérieur. C'est vraiment histoire que ça garde quand même un petit côté bombé. De façon à ce que quand je vais coudre les petits boutons et tout ça, ça soit pas, ça s'aplatisse pas. Voilà. Et je vais venir faire pareil donc pour la tête. Je ferai en sorte quand je vais venir coudre de bien coller la tête du coup au corps. Là, vous voyez au niveau du corps, là j'ai la fermeture. Donc j'ai 1, 2, 3 rangs de différence entre les deux. Vous voyez, donc je suis venue assez proche de la fin de ma boule. De façon à ce que, au niveau de la couture, vous voyez, hop, là,
Il y a le corps, la tête et je vais venir faire donc un petit chapeau. Pour le chapeau, je vais venir prendre mon fil de couleur noire et je vais venir donc tout simplement faire des mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre. Donc, quatre mailles en l'air. Je saute la première. Et je viens faire trois mailles serrées. Et deux, trois. Je fais une maille en l'air. Et je vais venir donc refaire 3 mailles serrées. Et je vais venir faire ça pendant quelques tours. Donc une maille en l'air, 3 mailles serrées. Donc au total, je suis venue faire 3 rangs de mailles serrées. Je viens faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Je saute la première et je vais venir faire des mailles serrées dans ces mailles en l'air. Hop, c'est-à-dire 2 mailles serrées. Je fais ici mes mailles serrées en mailles serrées. Et je vais venir donc faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Au lieu d'aller juste en dessous, je vais venir donc me placer au-dessus. De façon à ce que les deux côtés soient bien parallèles. Et je vais venir faire donc 2 mailles serrées. Une fois que j'ai fait ces mailles serrées, je viens me positionner sur mon chapeau ici et je vais venir faire tout le tour que en mailles serrées. Là, moi je suis venue faire donc un peu trop haut. Hop. Et je vais venir donc faire tout le tour que en mailles serrées. Ici sur les rebords, je viens faire une maille en l'air et je reviens dans la même maille. Pour garder justement ce côté un peu pointu. Et je vais faire pareil, arriver ici de l'autre côté. Une maille en l'air et je reviens dedans. Et je viens faire donc des mailles serrées. Alors là, pour le moment, le chapeau n'a pas une forme très jolie, mais vous en faites pas, à la couture, on peut rattraper ça. Et là, ici, la dernière maille, je viens faire une maille serré. Maintenant, je viens faire hop, ici juste des mailles serrées. Hop. Et le reste des mailles, donc on va le faire que sur le brin arrière. Donc que des mailles serrées sur le brin arrière. Là où bien sûr donc nous avons nos mailles en l'air, pas de panique, vous faites juste des mailles serrées. Hop. Et quand vous revenez donc sur vos mailles ici avec les deux brins, vous faites donc sur le brin arrière. Une fois que vous avez fait le tour, vous allez tout simplement faire une maille coulée et une maille en l'air et vous gardez du fil pour la couture. Au niveau de la couture, vous voyez, je me suis placée vraiment juste au-dessus de la tête. Faites attention à la couture, à bien venir positionner votre chapeau de façon à ce que là, il y ait bien les coins. Donc, je suis venue coudre là le chapeau. Avec le fil de mon chapeau, je suis venue faire deux yeux, donc je suis juste venue faire trois allers-retours sur une maille. Vous voyez là, j'ai un rang de décalage entre les deux yeux et j'ai donc hop, ici l'augmentation du cercle magique qui se trouve entre les deux yeux. Au niveau du sourire, je suis venue ici sur un rang de décalage pour la bouche. J'ai fait sur une seule maille. Je suis passée en dessous d'une, j'ai fait une deuxième, je suis passée en dessous d'une maille et j'ai fait le troisième.
Ensuite, je suis venue faire les boutons. Alors, vous voyez, c'est pas parfait. Vous faites vraiment comme vous pouvez au niveau des boutons. Moi, je suis passée donc 3 fois sur une seule maille et j'ai essayé de les écarter d'à peu près 1 à 2 rangs. Donc, pour le nez, je viens prendre du fil de couleur orange et je vais tout simplement venir faire 2 mailles en l'air. Une, deux. Je saute la première, je vais directement dans la deuxième et je fais une augmentation. Et ce sera tout. Donc je viens faire une maille en l'air, je vais couper le fil et garder un peu de fil pour la couture. Pour l'écharpe, je viens prendre mon fil de couleur rouge et pareil, je vais venir faire des mailles en l'air. Hop. Je vais venir faire au total donc 3 mailles en l'air. 1, 2 et 2, 3. Je saute la première, je vais directement dans la deuxième et je fais 2 mailles serrées. Et je fais une maille en l'air et je recommence. 2 mailles serrées. Je vais venir faire ça pendant plusieurs tours. Donc une maille en l'air et 2 mailles serrées. Donc au total, je suis venue faire 7 rangs donc de mailles serrées. Je coupe le fil en gardant de la longueur et je vais venir passer donc à la deuxième partie de l'écharpe. Donc pour la deuxième partie de l'écharpe, c'est tout simple, je reviens faire exactement pareil, mis à part du coup les rangs de mailles serrées. Donc je viens faire 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je saute la première et je viens faire donc mes mailles serrées. Et je vais faire ça donc pendant plusieurs rangs. Donc j'ai terminé, voilà ce que ça donne. Au total, je suis venue faire 4 rangs. Donc maintenant, on va passer à la couture. Alors chose importante, là vous voyez, j'ai le pic de mon nez. Normalement, vous avez votre fil qui ressort par là. Alors moi, je suis venue le faire passer totalement de l'autre côté. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple. C'est que si on coud la totalité du nez, ça fera un nez très empâté et ça fera vraiment pas joli. J'ai testé et ça rendait vraiment pas bien. Donc je vais venir le positionner bien au milieu. Et vous voyez, là du coup, j'ai le nez qui pointe un peu, mais c'est pas grave, ça fera un nez en relief, c'est pas si mal que ça au final. Donc je viens piquer et je ressors. Hop. Alors c'est important de venir se remettre un peu plus loin, replacer, voir où vous en êtes. De cette façon, vous verrez tout de suite s'il y a un problème ou pas, hein. Hop, je repique dans mon nez et en fait le but là ça va être de faire une couture assez solide de façon à ce que le fait qu'il y ait qu'un bord de cousu tienne très bien. Hop, je vais passer de l'autre côté pour venir faire l'autre bord. Et je vais venir donc rentrer ce fil vers l'intérieur de façon à ce que cette boule ne me gêne pas. Donc ensuite, je viens prendre la partie de l'écharpe la plus petite et je viens me positionner donc sur le côté. Hop, en faisant attention donc à ceci. Voilà. Et je viens donc tout simplement piquer. Et pareil, je vais venir donc coudre que cette partie-là. Pas besoin de coudre l'autre partie.
Et une fois que j'ai fini de coudre, donc je viens faire un nœud et je vais venir donc rentrer les fils. Et ensuite, donc la partie la plus grande, je vais venir la positionner donc au-dessus. C'est-à-dire que du coup, elle sera positionnée sur ce bord-là. Une fois que j'ai fini ma couture, je vais venir faire la boucle de la boule de neige. Donc pour ce faire, je vais venir faire des mailles en l'air. Moi, je prends donc du fil blanc, étant donné que le capuchon de ma boule de Noël est en blanc. Donc, je vais venir faire plusieurs mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Je pense que ce sera suffisant. Il faut que ça soit assez grand pour que ça rentre du coup dans le pic du sapin. Je vais même venir faire deux mailles en l'air supplémentaires. 17. Et donc à partir de là, je viens tout simplement donc couper mon fil et garder un peu de fil pour la couture. Pour la couture, rien de plus simple. Je viens me positionner d'un côté et de l'autre de la boule et je passe avec mon aiguille. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est faire des petites franges à mon écharpe. Donc je prends mon fil que je plie en deux. Alors ça va être coupé après, hein, donc pas besoin de prendre une grosse longueur. Et voilà. Donc je vais venir en couper plusieurs comme ceci. Et une fois que c'est fait, je viens tout simplement ici passer dans mon écharpe, donc le plus proche possible du bord. Je vais venir chercher ici la boucle. Hop. Et je vais faire passer donc ces deux brins à l'intérieur. Vous voyez, de cette façon, hop, j'ai donc des petits fils. Et je vais faire ça donc sur tout le bord. Et voilà donc ce que ça donne. Ce tutoriel est donc à présent terminé. Ceux qui le veulent peuvent faire aussi des petits points blancs, hein, c'est pas nécessaire. Moi, je l'ai pas fait parce que ça me convient, mais vous pouvez toujours faire des petits points blancs. Moi, je pense que c'est pas nécessaire. Voilà, donc pour moi, c'est terminé. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous en voulez plus de ce type-là, parce que c'est vrai que ça, c'est une première, une boule de neige aussi détaillée. C'est vrai que on n'en a pas encore fait. Donc si ça vous plaît et que voilà, vous voulez un thème particulier peut-être, vous pouvez nous le dire en commentaire. On verra un petit peu ce que l'on peut faire dans le temps imparti. Vous pouvez donc vous abonner à la chaîne YouTube, à également cliquer sur la cloche pour être au courant lorsque les vidéos sortent sur celle-ci, à également venir faire un petit tour sur le compte Instagram où on poste donc régulièrement des photos des futurs projets et à également venir faire un petit tour sur notre compte TikTok. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.